The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. From France, Ken Tucker. This WWE Universe has been driven into a frenzy. I've heard some impressive crowd responses over the years, but the response this guy gets, well, it's incredible. It's deafening most of the time. Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 149 de ma carrière sur WWE 2K16. Vous m'avez vu fixer Brock Lesnar du regard. C'est un match très important qui va se dérouler dans quelques instants et j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un très mauvais pressentiment, je sens que Brock Lesnar va avoir les contres illimitées. Étant donné que je ne suis pas parmi les trois premiers prétendants pour le titre, je le vois gros comme une maison, et voilà. Bon, bah, à l'attaque. Et voilà, ça commence déjà. Donc, me voici impliqué dans un truc comme ça. C'était vraiment pas prévu à la base. Ouf, je vais me faire démolir. C'est la troisième fois que je me retrouve dans un match comme ça. Et voilà, une souplesse de Brock Lesnar, une première. Ça va être dur, ça va être très très dur cette fois, je suis pas sûr d'y arriver comme je l'ai fait à l'épisode 136 contre Randy Orton. Ah. Et en plus après l'épisode 136 j'ai dit plus jamais je ne fais ça. Et ben je l'ai fait mais je l'ai pas fait exprès. Et en plus c'est même pas de ma faute, c'est Brock lui-même qui a voulu ça, c'est Brock qui m'a défié. Bon, après, on peut justifier le fait qu'il n'ait pas de contre illimité parce qu'il est en pleine confiance, parce que c'est lui le grand champion. Voilà, c'est... Nous sommes au lendemain de sa victoire à Night of Champions, dans un match triple menace contre Daniel Bryan et Seth Rollins. Tiens, bouffe ça déjà. Ça va... Oh, purée. J'espérais que ça allait lui faire passer l'envie de me frapper. Hop là. Allez, on va jouer un petit peu à catch-catch. Parfait, il m'a suivi. Boum. Ouais, sauf que là, il va contrer quasiment tout ce que je fais. C'est très embêtant. Belly to belly overhead suplex. Welcome to Suplex City. C'est pas juste. Oh purée, je me bouffe le poteau. Et je me fais démolir. Je suis déjà au bord de l'épuisement, au bord du coma. Avec tous les dégâts que Brock Lesnar m'a infligés. Ah, c'est sûr que ça change des matchs que j'ai eu dans l'épisode 148. Dans le 148, je me baladais. Là, je me fais balader. Ah, purée. Je ferais mieux de partir tout de suite. Hein. Mais je le ferai pas. Pourquoi? Bah parce que je peux pas, pardi. Je ne peux pas. I can't give up. DDT. C'est pas possible. Je voulais pas. C'est le jeu qui a voulu. Allez, Brock Lesnar va certainement vouloir
M'arracher le bras, ok, super, c'est pas sympathique du tout en même temps. Brock n'est pas sympa, on devrait le savoir, je devrais le savoir. C'est bon, je m'en sors, vas-y, balance. Voilà, parfait. J'ai évité Suplex City. Pour l'instant, oh là là. Vite frappe, voilà, parfait, il faut frapper le plus vite possible. Allez. Voilà, parfait, Kev, parfait, ça c'est bien. Voilà, German Suplex. Allez, t'aimes les souplesses? Moi aussi. Bexplex. Et je le nargue un petit peu. Eh ben ouais, tu vas pas gagner comme ça très facilement. Je ne perdrai pas sans m'être battu. Soit je gagne, soit je meurs en essayant. Cette phrase de héros. I will win. Or I will die trying. Parfait, Russian leg sweep sur Brock Lesnar, comme s'amuse à le dire Paul Heyman. Butterfly backbreaker sur Brock. Oui, je me moque un petit peu de Paul Heyman, c'est pas gentil. Ok. J'ai un coup spécial, voilà. Voilà. Ah. Zut. Fuis, Kev, fuis. Zoup. Tu m'attraperas pas. Oh là là, il est bête. Il faut pas se battre forcément de front, il faut être intelligent. Et ça, c'est un point sur lequel Seth Rollins serait d'accord avec moi. Je pense. Ah, il faut pas gâcher les coups spéciaux. Coup de genou à l'extérieur. Bon. Déjà, ça c'est fait. Je suis remonté sur le ring. Il va certainement se relever avant le compte de 10. C'est aussi une technique. Je pourrais tenter de la semer à l'extérieur. J'aurais peut-être dû essayer, après tout. Ça m'aurait rien coûté, je pense. Brock Lesnar va revenir sur le ring. Je l'attrape tout de suite. Ah, parfait, il contre. Ah, zut. Ah, j'ai paniqué, et c'est parti. Bienvenue à Suplex CD. Ouh. Et en plus, ce match, quoi qu'il arrive, ne me servira à rien. Alors après, si le jeu est sympa, je gagnerai peut-être une place dans le classement. Mais bon, on a bien vu qu'affronter le champion avec les contres illimitées, ça n'avait aucune conséquence sur notre classement, même en cas de victoire, donc c'est fort dommage. Dommage, j'ai pas pu placer le kill switch. Purée, je l'ai vu venir en plus. Il a temporisé. Oh, F5. That hurts. Ça fait mal. Mais quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas, j'ai la technique révolte. But still. Bon, j'avais pas le choix. Dégagement grâce à la révolte. Enfin si, j'avais le choix, mais bon. Autant utiliser la révolte, parce que si j'avais perdu là-dessus, elle n'aurait servi à rien. Là, au moins, elle me permet de rester dans le match, au moins pour un moment. Et oh là là, sérieux, depuis quand c'est un spécialiste des soumissions? Depuis qu'il a le Kimura Lock en prise de finition. Oui, bon, ça va, je me suis rattrapé. Tiens, prends mon pied. Il prend pas mon pied, il prend le sien. Ouch. Bon, attention, Brock Lesnar qui va me faire rebondir dans le coin pour une German Suplex. Allez, Kev, tu peux peut-être résister, peut-être. Youpi, je me suis encore autorisé un répit. Je me suis accordé quelques minutes de survie dans ce match. Moonsault Attack. Allez, Kev, il faut quand même que tu tentes. It's an Anaconda Vice, tout à fait. Il est malin. Il maîtrise bien les mini-jeux. Il maîtrise bien et moi, je me suis épuisé. J'aurais pas dû attaquer tout de suite. J'aurais dû prendre mon souffle. J'aurais dû tenter de sortir du ring. Ça va être très compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Là, je m'accroche à mes contres parce qu'ils sont ma seule chance de survie. Hein. Ah, je devrais balancer un finisher dès que je peux maintenant. Hein. Pour lui infliger un maximum de dégâts le plus vite possible. Et là, ça va faire très mal. Heureusement, l'animation est très longue, donc ça va me permettre de recharger mon quatrième contre.
Oh, butterfly suplex depuis la troisième corde. Et j'échappe encore à suplex City. Heureusement que je maîtrise un petit peu les contres. Oh, lui aussi. Oh là là, German suplex. C'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, il est en train d'écraser mon crâne entre ces deux points. Allez, je ne désespère pas, mais je vous avoue que je ne sentais pas très bien ce match. Déjà, j'étais inquiet parce que je me dis, mince, est-ce qu'il va avoir les contres illimitées ou pas? Bah là, j'ai été déçu, hein, très clairement. Allez, je peux m'en sortir. Il veut juste m'épuiser, reprendre son souffle. Ça me laisse l'occasion, voilà, comme ici, de reprendre avantage. Allez, DDT. C'est pas possible. C'est pas... La jambe. Attention à la jambe. Et je crois que j'ai, sans le faire exprès, réussi l'ordre de l'autorité, qui était d'effectuer 3 prises à l'adversaire à l'extérieur. Attrape-le vite, voilà. Il faut vite l'attraper. Allez, Kev, tu peux peut-être l'emmener encore une fois à l'extérieur et lui infliger des dégâts. Allez. Mince. Vite, attrape-le. Oh purée, je l'ai pas attrapé. Et j'ai encore évité suplex CD. Youpi, plâtre, la. Come here, Brock. Je sais que je peux te battre. I know it. I feel it. Oui, je me la joue héros de série américaine. When you think I'm done, I'm not. Allez, parfait, ça. Descente du coude façon Lunatic Fringe. Voilà. Espèce de gros vilain pas beau. Et oui, je sais, je suis vulgaire, excusez-moi. Gros vilain pas beau, là, j'ai... Il a fallu que je le dise, je suis navré. Allez, Facebuster. Arrête tes bêtises, Kev. Arrête tes bêtises. Si mon plan fonctionne, je peux gagner. Ben déjà, la première étape a échoué, donc forcément, ça va pas m'aider. Oh, le coup de coude. Pour s'assurer peut-être de pouvoir placer les triples powerbombs, il va les placer. Ça va poser problème. Il est hors de question que j'abandonne. Voilà, comme ça, exactement. Tu m'as placé un coup spécial et je me dégage avant même que l'arbitre ait eu le temps de taper une fois sur le sol. Kev, ne sois pas stupide. Voilà, Kev. Tu m'attends, hein. Viens me chercher. Ah, je crois qu'il est buggé. Oh, quel dommage. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu faire le malin? Non, trop tôt. Dommage, c'est peut-être la fin, les amis. Oh, la corde peut-être. Je vais laisser tous les replays pour être sûr. Est-ce que j'ai bien vu ce que je pense avoir vu? Est-ce que j'ai vraiment vu ce que je crois avoir vu? Est-ce qu'il s'est vraiment passé ce que j'ai vu? Est-ce que c'est vraiment vrai? Observons très attentivement la corde et l'arbitre. 1, 2... Nicely done, Michael! Vous avez vu les images, non? Vous avez vu comme moi, j'ai attrapé la corde juste avant le compte de 3 de l'arbitre. Purée, j'aurais dû essayer de me dégager.
après entre 1 et 2 et utiliser la corde comme dernier recours. Mais là, l'arbitre m'a juste fait perdre le match et la rivalité se termine. Bien sûr, bah oui, bien sûr, parce que oui, j'aurais dû m'en douter, il avait les contres illimités. Je me suis fait avoir. Je me suis fait rouler dans la farine en beauté. Tra la poisse. Donc j'ai bien vu ce que je pensais avoir vu. J'ai bien appuyé sur la touche B à temps pour attraper la corde juste avant le compte de 3. L'arbitre aurait dû au dernier moment dire hop là, il a attrapé la corde. Et en plus, c'est spectaculaire comme truc. Là, pour la note du match, ça aurait dû être l'explosion là, parce que c'est vraiment épique niveau scénaristique. J'ai attendu, enfin ma superstar a attrapé la corde au dernier moment possible pour briser le tombé. Le dernier moment possible. Mais il y a toujours une chance pour que l'arbitre ne voit pas le rope break. Et quand il ne le voit pas, les commentateurs ne le voient pas non plus. Ouais. Laissez-moi transmettre un message, enfin, laissez-moi envoyer un message à Brock. T'avais besoin de ça pour me battre. T'avais juste besoin de ça pour me battre, parce que tu aurais pas pu me battre autrement. Et au fond de toi, tu le sais. Tout cela ne fait que renforcer ma détermination pour aller chercher ce titre. Mais maintenant, que fais-je? Que fais-je? Bon, les rivaux, ils sont bien gentils, mais ils vont bien aller voir ailleurs si j'y suis. C'est terminé. Si quelqu'un qui est au-dessus de moi me propose une rivalité, je dis non parce que je veux pas renouveler ça. Quoique, bah du coup, n'importe quel rival à partir de maintenant, si je le prends tout de suite, serait mon adversaire à Hell in a Cell. Je ferais peut-être mieux de prendre un rival parce qu'à tous les coups, ils vont me recoller Big Show dans les pattes et j'ai pas envie que ça arrive. Bon, je me fiche des résultats parce que là, je suis... Choqué et déçu. Votre relation avec Brock Lesnar s'est améliorée. Eh ben les dents. Bienvenue au pays des bisounours. Si tu crois que ça va m'arrêter, si tu crois que je vais les... Puis ils ont même pas attendu Hell in a Cell, ils me recollent Big Show dans les pattes tout de suite. Mais genre immédiatement quoi. Ils ont pas attendu. Incroyable. Saleté, j'ai quand même sorti un match 4 étoiles hein, quand même. 4 étoiles. Tiens. T'aurais moins fait le malin si tu avais planté ton F5 dans la tronche. Le plan en fait que j'avais était de faire un moment oh my god pour l'entraîner à l'extérieur. Me battre un petit peu à l'extérieur. S'il avait repris l'avantage, j'aurais essayé de le reprendre. Pour lui planter un F5 sur la rampe et le laisser se faire compter à l'extérieur. Pitoyable. Bon. Nous y sommes. C'est la fin de l'épisode 149. La prochaine fois, ce sera l'épisode 150. Donc vous voyez, à la fin de l'épisode 150... Santé mentale, reste avec moi. Parce que le langage se barre aussi. Donc la prochaine fois, voilà l'épisode 150, le dernier de la série. Et vous voyez, je ne peux pas prendre ma retraite. Donc quoi qu'il arrive, à la fin de l'épisode 150, je ne pourrai pas prendre ma retraite. Parce qu'on peut prendre la retraite uniquement quand on est éligible au Hall of Fame. Et je ne suis pas éligible au Hall of Fame. Car voyez-vous, il faut avoir soit rempli un objectif principal, soit trois objectifs secondaires. Et vous le voyez, parmi les objectifs principaux... J'ai conservé un titre pendant 365 jours. Bon, c'est fichu. Obtenir chaque titre au moins une fois. Si je deviens champion du monde, il me manquera toujours le titre intercontinental. Donc c'est fichu. Être 10 fois champion, ce sera pas le cas. Parce que j'ai été champion qu'une fois pour pas mal de championnats, je crois. Tous ceux que j'ai gagnés, je les ai eu qu'une fois, je crois. Gagner tous les matchs de WrestleMania de ma carrière. Oui, les 12 premiers, quoi. Oui. Perdre tous les matchs de la carrière pendant 3 ans, non. Voilà, après je peux plus faire les objectifs secondaires. Ouais, il n'y a aucun objectif secondaire que je pourrais
remplir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Être champion de 3 fois avec le même partenaire, c'est fichu. Intercontinental 5 fois, non. Champion du monde 3 fois. Déjà, si je pouvais être champion une fois, ce serait pas mal. Hein? Participer au main event de SummerSlam 3 fois. Main event de WrestleMania 3 fois. Gagner le Rumble 3 fois. Bref, vous voyez, je ne suis pas éligible au Hall of Fame. Et c'est pas avec l'épisode 150 que j'y arriverai. Mais l'objectif pour moi est de devenir champion du monde poids lourd de la WWE. Et là, j'ai un très très long voyage qui m'attend à partir de maintenant. Et tout ce voyage-là, on va le vivre, vous le vivrez, dans l'épisode 150. Bien sûr avec un format beaucoup plus court que ce que je viens enregistrer. Parce que là, après Hell in a Cell, c'est quel pay-per-view ? Octobre. Survivor Series. Donc, peut-être que j'aurai à aller jusqu'à Survivor Series. Voire peut-être, je ne sais pas, TLC. Pour peut-être devenir champion du monde. Ça va être très long. Et je vais devoir beaucoup jouer. Et je vous avoue que quelque part, ça me plaît. J'ai quelques jours pour faire tout ça quand même. Ça va être long. Wow, ça va être long. Ça va être très long. Mais après ce match et après ce screwjob honteux, je suis plus que déterminé à ne pas lâcher, à ne pas abandonner et à foncer, foncer, écraser tous mes ennemis. Trop de Bob Lennon. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi. Oui, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de Skyrim avec lui. Hein. J'en suis à presque 300. Ouais, j'ai presque vu les 300 premiers. Bref. Du coup, je m'égare. Donc, salut tout le monde et à bientôt pour le grand final de ma carrière sur W. Pardon. Le grand final de la série, parce que la carrière va se poursuivre après. Oui, parce que je peux jouer encore à... je pourrais jouer encore à cette carrière. Je le ferai certainement avec grand plaisir. Mais à bientôt pour le grand final de la série YouTube de ma carrière sur WWE 2K16. Salut tout le monde, à la prochaine.